Mon Dieu, merci beaucoup, madame. Excusez-moi. Oh, bah ça alors. Bernard, tu vas? Ça va? T'as l'air tout chaud. Ah, écoute, les gens sont incroyables. Là, à l'instant, un type grand, fort, accoste une brave dame chargée de ses deux paniers à provisions et lui fait comme ça. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Autant, sans même se découvrir. Sans même se découvrir. Ben non, mais attends, ce n'est pas fini. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Alors, la brave dame gentiment lui sourit, pose ses deux paniers par terre, l'un d'eux se renverse et le type ne se baisse même pas pour les aériens. On se remet le quart, lui répond la brave dame. Et le type repart en l'embousculant sans même lui dire merci. Mais elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Ben non. Elle a ramassé ses deux paniers à provision, puis elle est repartie vers sa chaumière, la démarche alourdie. Silencieuse dans sa douleur. Que c'est insensé. Ouais, je suis bouleversé. Bon. Allez. À bientôt et... Et bonjour Max. Ouais. Tiens, François, ça c'est drôle. François. Dis donc, tu sais ce qui vient d'arriver? Quoi? Oh, ici, à l'instant. Non. Ah, écoute, c'est incroyable. Une petite vieille revient de faire son marché pour nourrir toute sa famille. Toutes ses économies sont consacrées. Elle marche lentement, courbée. L'œil triste. Et comment le sais-tu? Je la vois. Arrive un type, serré dans un imperméable noir. Il est brun. La peau mate. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses? Il la voit. En un bond, il est sur elle. Il la colle contre le mur et il fait... Vous avez l'heure? S'il vous plaît. Pardon? Vous avez l'heure, s'il vous plaît. Même pas! Vous avez l'heure! Glaciale! Ah, la pauvre vieille terrorisée, pousse ses deux sacs par terre. L'un d'eux se renverse, le type, il a un rire. Cynique. Exact. Regarde sa montre. 11h moins le quart, dit-elle en levant la tête. Mais le type, il avait déjà pris tout ce qu'il y avait dans son panier. Alors, elle tente un geste comme ça. Mais lui donne un coup d'épaule et s'enfuit en courant. La pauvre vieille titube et flam. Elle s'affole de tout son long en se démettant de côte. Elle arrive à peine à se relever. Regarde ses paniers vides. De larmes coulent de ses yeux. Bleu. Alors, elle repart nourrir sa maisonnée avec ce qui reste dans un panier. En serrant les dents et sans gémir. Le salaud! Adieu, Françoise. Mais c'est la petite Françoise! Tout s'en va! Tout fout le camp! Où? La vie, l'amour, la mort. Toi, tu as reçu un choc, hein? Oui. Un seul? Tout pourri. Un seul? Où? Là. Pas là, non? Comment c'est arrivé, François? Bêtement. Une brave femme, la soixantaine, passait là, là, comme ça. Elle passait, moi. Toi, tu passais là, là aussi, comme ça. C'est ça. Elle traînait à bout de bras deux misérables cabas, 50 kilos de pommes de terre, quelque chose comme ça. Parfois, l'une d'elles tombait. Alors elle s'arrêtait et ne la ramassait même pas, tant ses forces étaient usées par les ans. Le vent glacial lui giflait le visage et ses haillons, usés par les ans, ne protégeaient même pas sa pourridée dans ses grands yeux noirs. Que des cernes accusées. Parlez-en. Prière, la petite lueur de vie indispensable pour traîner 50 kilos de pommes de terre. Tout à coup, une grosse limousine freine. Un homme descend. Couvert de chevalières en croco et de chaussures en or.
Le teint basané. Ah, je vois, ouais. Cravate, framboise. Il croise la chouarde et la toise. Tu suis? Oui, Françoise, oui. Après avoir allumé un Havane méprisant, il lui souffle la fumée dans la figure. Ça l'a réchauffé. Vous avez l'heure? Oui, répond la dame et sort de son cabas une petite montre boussée qu'elle cachait dans ses pommes de terre. Il est midi moins le quart. Le type éclate de rire, arrache les deux cabas, les jette dans sa grosse limousine noire, balance un coup de talon dans la figure de la vieille qui gicle sur le trottoir et il repart dans sa grosse limousine noire. Ah ben dis donc. Il y avait du sang partout. La vieille femme soubresauta quelques instants, essayant d'attraper le dernier tubercule qui roulait sur la chaussée, puis... Et puis se tut. Ah ben dis donc. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? À moi? Oui. J'ai reçu un choc, et puis j'ai vomi. Et puis, une ambulance est arrivée, et puis l'a emmenée, et puis après, je ne sais plus ce qui est arrivé. Ah ben dis donc. Allez, viens, Françoise, je vais te raccompagner. Laisse, je préfère marcher quelque peu pour que le froid me redonne la force. Vivre. Ah ben dis donc. Oh tiens, monsieur Bacon. Madame Tronche. Bonjour, madame Tronche. Ma pauvre madame Tronche. Que se passe-t-il? Terrifiant. Mais enfin, expliquez-vous, que diable. Je suis fort étonné de vous voir en cet état-là. Un meurtre, madame Tronche. Un meurtre. Que me chantez-vous là? Mais je ne vous chante rien, je vous dis simplement la terrifiante vérité. Mais parlez, mon ami, alors parlez. Une vieille négresse, portant 200 kilos de pommes de terre pour nourrir sa nichée. Sa nichée affamée. Vu son âge, j'allais me proposer de l'aider, quand tout à coup, une énorme Mercedes noire, noire, me coupa la route, freina. On descendit un homme style brun. On descendit un feutre, un par-dessus. Il s'approche de la villageoise qui revenait de faire son marché. Il se plante devant elle et lui dit avec son air gnagnin. Il lui dit Dum-dum, vous n'auriez pas l'heure. Non. Si. Alors la vieille se baisse pour chercher sa montre à coucher dans son sac. Et pas. Il a surine avec son schlaf. Ah, il a Oui, avec son chat. Et puis, il s'enfonce dans sa limousine qui démarre à double tour. Et puis, la suite. Cris de curieux, badauds qui s'évanouissent, pompiers, ambulances, on me bouscule, la pluie qui se met à tomber. Telle-le. Fais la suite, quoi. Il y a encore du sang. Là. Pardon, madame. Vous auriez pas l'heure. Ah, c'est trop con, hein. Puis la vie continue, hein, madame Tronche. Allez, au revoir, madame Tronche. Adieu, monsieur Bacon. Vous auriez pas l'heure, s'il vous plaît. Pour vous, madame, excusez-moi. Vous auriez pas l'heure, s'il vous plaît. Attendez. Si, je l'ai. Je vais vous la donner là. Ah.